Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je profite du calme dans ma maison pour vous présenter une nouvelle lecture confinement. Il s'agit de James et Talia de Béatrice Chalit. Donc pour une fois, ce n'est pas un homme ou une femme que nous allons suivre, c'est un chat. C'est James. James qui se promène dans les différents appartements d'un hôtel particulier en région parisienne. Donc dans cet hôtel particulier vit plein de monde. Des gens complètement différents, donc il y a les propriétaires, monsieur et madame Rabani, et puis il y a aussi un Libanais, un retraité sans ressources, une actrice qui est un petit peu qui n'a plus trop de travail en ce moment, et puis un jour arrive Talia. Talia, c'est une jeune Israélienne, on ne sait pas trop d'où elle vient, et surtout on ne sait pas pourquoi elle arrive à Paris. Et elle va bouleverser la vie de tous les habitants de cet hôtel particulier. Donc Béatrice Chalit nous emmène dans les arrière-cours de ces immeubles aux portes closes, un petit monde qui vit à l'écart de l'agitation parisienne. Donc chaque personne est attachant, haut en couleur, et ils sont très bien décrits. On a vraiment l'impression d'être avec eux dans cet hôtel particulier. La plume est légère, agréable à lire, et Béatrice Chalit nous fait passer un message de tolérance, d'entraide, ce qui est un petit peu le cas en ce moment. Et même si les thèmes abordés ne sont pas approfondis, on passe quand même un agréable moment et on a une impression d'avoir rendu visite à des amis. C'est très très agréable. Voilà, je vous souhaite une bonne santé, à très bientôt.